C'est entre toi et moi, Enigma. Il est temps d'en finir. C'est quoi cet engin? La chauve-souris? Demi-tour! Go, go! Ah, chevalier noir, on dirait que tu gagnes le droit d'être tué de mes mains mécaniques. Mais que ce n'est pas un affrontement équitable. En fait, tu n'as littéralement aucune chance de gagner. Oh, j'aimerais pouvoir dire que j'ai trouvé notre rivalité à sens unique, intellectuellement stimulante, mais à vrai dire, je suis lassé de plus belle. Que tu es ici me permettra enfin de me lancer dans des projets formateurs ou savants. Au revoir. Tu ne me manqueras pas. Je t'oublierai bien. Petit énigme. Qu'est-ce qui est mécanique, meurtrier et rouge des pieds à la tête? Tu finiras ensemble. Tu es vaincu. Tu es battu. Et tu es à moi. Désolé, Eddie, mais j'ai comme l'impression que tu triches. Non! Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ton combat, Kat! Eddie, mon chou, c'est toi qui m'as invité, tu te rappelles? Et ensuite, tu m'as ligoté à une chaise. Tu n'étais pas invité. Et dire que tu me prends pour une autre. Tu as perdu, détective! Vas-y! Pensez en même temps. Meurs, père. Je veux dire, Batman. Coucou, petit. Je vais t'atomiser. Debout, saleté de machine. Ce défi. Il y avait tellement d'énigmes, tu n'as pas pu toutes les résoudre. Devinette. Je vais larguer. Changement de programme. Vous allez tous les deux tomber à mes pieds. On va pouvoir vaincre mes créations. C'était parfait. La victoire parfaite. Allez.
Je vais t'atomiser! Vous me croyez vaincu? Bien! C'est ce qu'on va voir! C'est pas trop tôt! Je vais devoir t'extirper des aveux. Tu es prêt à être vaporisé? Personne ne peut me battre! Merci, Selina, pour ce sauvetage de la dernière chance. C'était un geste héroïque. Je m'en sortais très bien. C'est ça, oui. Maintenant, sois une bonne jeune demoiselle et accorde un baiser à ton vaillant héros. Joue pas à ça. Toi, tu ne joues pas du tout. Non, c'est vrai. Je ne joue plus. Et ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire que c'est fini, Selina. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Je ne peux pas. Toi et moi, on se reverra, n'est-ce pas? Je dois disparaître. Gotham a besoin de quelque chose de plus radical pour la protéger. Il lui faut un nouveau mythe. Une légende plus puissante que je ne peux l'être aujourd'hui. Une légende qui ne pourra naître que des cendres de Batman. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire seul, Bruce. Et certaines qu'on doit faire seul. Appelle en cas de besoin. Je ne le ferai pas. Je sais. J'avais besoin de le dire. Où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es quelqu'un d'intelligent, Edward. Je suis sûr que tu peux deviner. Non, non. Elle a triché. Catwoman a triché. C'est elle! Elle m'a volé la victoire! Je ne pouvais pas gagner. Le combat n'était pas loyal, même selon tes critères. C'était loyal! Ce n'est pas parce que tu es incapable de franchir le double codage des robots, de décrypter leur système d'exploitation et de reprogrammer leur routine de combat que tu as le droit de demander de l'aide! C'est toi qui as besoin d'aide. Je n'ai besoin de l'aide de personne! Terminus, Nigma. Ah! J'aurais pu arriver là deux fois plus vite. Tiens, une devinette. Qui est-ce qui est vert, prétentieux et qui s'est fait botter le train? Très drôle, c'est à cet ordre. Je n'aurais pas besoin d'avocat, petit agent de supérette. Je me défendrai tout seul. Juste une chose, agaçant Chiropter. À chaque fois que tu réussis mes épreuves, j'en apprends un peu plus sur tes réflexes. Plus tard, l'une de mes énigmes aura ta peau. C'est super, Batman. Eddie n'a pas besoin de soins psychiatriques. Non, 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 non. Os qui craque, porte qui claque, c'est le remède miracle.
ta foi en une superstition idiote est aussi absurde que ton désir d'imiter le soi-disant héros de Gotham. Pauvre anachronisme dépassé du 11e siècle. Survécu, Batman. Bravo. Il n'a pas encore gagné. L'épouvantail court toujours. Dis adieu à tous tes amis flics. La prochaine fois que tu partiras sera peut-être la dernière. Vous nous avez sauvé la peau, Batman. Merci. Je t'en prie, cesse tes idioties navrantes. Être enfermé avec quelqu'un de manifestement fêlé n'est pas digne de mon génie. Tu n'avais aucune chance, Nigma. Pig se sent mal. Toc, Batman. Dans ton incessante quête pour la justice, tu viens de priver la ville de son seul vrai génie. On va survivre. Survivre, oui, mais aussi régresser. Mes énigmes sont une pierre à aiguiser qui affûte ton intellect. Ah, garde-moi enfermé et dis adieu à ton QI. Ça n'en sera que plus facile quand on se retrouvera. Allez, sois honnête, Batou. Tu n'as pas à résoudre les énigmes d'Eddie, hein? Tu aimes juste le faire pleurer. Je suis là enfermé avec des esprits inférieurs. Je sens presque mes neurones fondre à leur contact. Je recherche toujours des nouveaux talents. Si on discutait. Les petits adversaires peuvent être étonnamment forts. Tu vas d'abord devoir perdre du poids. Tu dois être drôlement fier de toi. Tu as tellement la grosse tête que ton masque va éclater. Est-ce qu'au moins tu comprends les nombreux processus chimiques qui surviennent durant une combustion? C'est toute la beauté du feu. Pas d'énigme. C'est facile à comprendre. Eh bien, on est toujours là, Batman. Juste pareil que ces statues sont plutôt rares. Le vrai problème, c'est pas de les trouver, mais plutôt de les récupérer. Un genre de robot géant fabriqué par Edouard Nigma. Aussi connu sous le nom de l'homme mystère. Pauvre Eddie, ce type met au point une machine à tuer Batman et il réussit quand même à se faire botter le derrière. Je sais pas si ça en dit plus long sur Eddie ou sur Batman.